Salam alaykoum, wa rahmatoullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. Nous continuons notre chapitre limite et continuité. On va calculer, nous avons la dernière fois, nous avons calculé trois limites. Maintenant, on va calculer encore trois limites pour se fondre de rappel avant d'aborder la continuité. Voilà, ce sont des limites usuelles. On va les calculer. Ces trois limites, on va les voir. Première limite, limite, quand x tend vers moins 3 moins de x carré, moins plus 2x, moins 3, racine sur x carré, moins 9. Comme d'habitude, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on on remplace directement, nous aurons ici, vous aurez c'est 9 moins 6 moins 3 sur 9 moins 9, c'est-à-dire 0 pour indéterminé. Pour enlever cette indétermination, on va multiplier, on va voir ce qu'on peut faire. Ici nous avons x en vert moins 3 moins, voilà, regarde, voilà moins 3 moins, c'est-à-dire ici moins 3, par exemple, moins 3,01, inférieur strictement, c'est-à-dire implique x inférieur strictement à moins 3. Donc, nous avons x négatif et moins 3 négatif. On les voit au carré. X au carré, vous avez vu dans l'ordre dans R, lorsque les deux sont négatifs, on change d'ordre. C'est-à-dire, x au carré, moins 3 au carré, ça fait 9. X au carré, ce qui implique que x au carré, moins 9, strictement positif. Voilà. Maintenant, vous connaissez que quel que soit x appartient à R, racine carrée de x au carré égale valeur absolue de x. Voilà. Maintenant, puisque nous avons x moins 9, strictement positif. Donc, x au carré moins 9 égale valeur absolue de x au carré moins 9. Parce que valeur absolue de x égale x, c'est x positif, égale moins x, c'est x négatif. Nous avons cette quantité strictement positive. Donc, x au carré moins 9 égale valeur absolue de x carré moins 9. Ceci égale, d'après cette propriété, égale la racine de x au carré moins 9 de tout au carré. Voilà. C'est au carré de tout au carré. Donc, on va remplacer ici, c'est x moins 9, par cette quantité. D'accord? C'est ce que je vais faire. Je vais remplacer x carré moins 9 par racine carrée de x carré moins 9 au carré. Nous avons x envers moins 3 moins. Donc x négatif. Inférieur moins 3. Donc il est négatif. Donc en l'élevant au carré, on change de signe. Si c'est 9 inférieur strictement, ça veut dire c'est supérieur strictement. Donc on passe en 9 ici. On aura x au carré moins 9, c'est supérieur strictement 0. Donc x carré moins 9 égale valeur absolue de x. D'après cette propriété, donc égale cette quantité. Voilà. Ceci égale à limite quand x tend vers moins 3 moins de racine carrée de x carré plus 2x moins 3 sur racine carrée de x carré moins 9 de tout au carré. Voilà. Donc, si c'est égal, normalement je vais faire, parce que le tableau est un peu petit, je vais écrire l'une sur l'autre. Vous devez l'écrire une sur l'autre. Donc limite, quand x tend vers moins 3, moins de racine carrée, x carré, plus 2x, moins 3 sur x carré, moins 9. X carré moins 9, c'est quoi x carré moins 9? C'est x a facteur de a moins b, facteur de a moins b, c'est-à-dire x moins 3. Facteur de x plus 3, le tout au carré, c'est-à-dire au carré, ou bien je vais l'écrire comme ça, au carré, voilà. X au carré moins 9, c'est x moins 3, facteur de x plus 3, égale, limite quand x tend vers moins 3, moins racine de x moins 3 au carré, facteur de x plus 3 au carré, sur x carré plus 2x moins 3, voilà. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Je sais que limite quand x tend vers
moins 3, moins 3, moins. Maintenant, je vais aborder le numérateur. X moins 3, x moins 3 au carré, facteur de x plus 3 au carré. Voilà. D'accord. Je sais que ce polynôme, x, ça s'annule pour moins 3. D'accord. Donc, x moins moins 3, ça fait x plus 3. Normalement, je vais écrire moins moins 3. Ça fait, c'est-à-dire, x plus 3. X plus 3. Ouais, comme je dis l'autre fois, pour avoir ici, j'ai moins 3. Pour avoir ici, j'ai 3, x plus 3. Enfin, ça fait x. Pour avoir ici moins 3, je vais moins 1. Moins 1. X au carré, c'est sans faire le delta. Si vous voulez, vous faites le delta, vous trouvez les racines sont moins 3 et 1. Maintenant, vous avez x moins 3. X moins 3, c'est une racine de ce polynôme. Donc, j'écris x moins moins 3, ça fait x plus 3. D'accord. Voilà, x pour avoir ici moins 3, j'ai 3. Pour avoir moins 3, je dois multiplier par moins 1. Donc, moins 1. X au carré, ici 3x, ici moins x. 3x moins x, ça fait 2x. 3 fois moins 1, ça fait moins 3. D'accord. D'accord, maintenant. Maintenant, je vais simplifier. Je vois ici x plus 3, ici x moins plus 3. Je peux simplifier. Donc, ça fait égal, limite, quand x tend vers. X tend vers. Moins 3, moins, moins, racine de x, plus x, plus x moins 1, x moins 1, sur x moins 3, au carré, facteur de x plus 3. J'ai simplifié ici, x par x plus 3. Donc, ceci. Voilà, regardez-moi. Maintenant, je vais remplacer. Si je remplace ici, j'aurai ici moins 3, j'aurai 0. 0 quoi? 0 moins. Ici 0 moins. Ici j'aurai moins, moins 3, moins 3, moins, moins 6. Moins 3, moins 3, ça fait moins 6. Moins 6 au carré, ça fait 36. Ici j'aurai moins 2. Donc on l'écrit limite quand x tend vers. Quand on tend vers moins 3 moins. Moins 3 moins. De x, x plus 3, ça fait 0. 0 moins, parce que moins 3, c'est comme si nous avons moins 3, moins 3,1. Moins 3,1 plus 3, ça fait moins 0,1, c'est-à-dire 0 moins. C'est quelque chose inférieur ou égal à 0. Seulement pour expliquer. L'autre, nous avons x envers moins 3 au carré, moins 3, moins de x, moins 3 au carré, ça fait 36. Moins 3, ça fait moins 6 au carré, ça fait 36. Et limite. Quand x tend vers, je sens l'écrire ça. X moins 1 égale moins 4. Ça fait moins 4. Moins 3 moins 1, ça fait moins 4. Donc, j'aurai ici moins 4, moins 4, voilà, moins 4. 0 multiplié par 36 multiplié par 0 moins, ça fait 0 moins. Moins 4 sur 0 moins, moins 4, j'aurai moins 4. Bon, c'est une écriture qui n'est pas correcte, seulement pour vous expliquer. J'aurai ici moins 4, ici 36 multiplié par 0 moins. Ça fait ici 0 moins, c'est toujours moins 0 moins. Moins 4 sur 0 moins, ça donne plus l'infini. Donc, égal plus l'infini. Je répète, il ne faut pas écrire ça sur la copie. Ouais, c'est seulement pour vous expliquer. Moins 4, c'est pas correct. Vous expliquez comme ça, expliquez comme ça. Donc, moins 4 sur 36 multiplié par 0, ça fait 0 moins. 36 multiplié par 0 moins, ça fait 0 moins. Moins 4 sur 0 moins, égale plus l'infini. Moins par moins, ça donne plus, donc ça fait plus l'infini. Donc la limite, c'est notre limite. Notre limite. Donc limite, quand x tend vers moins, quand on tend vers moins 3, on aura x carré, moins plus 2x, moins 3 sur x carré, moins 9. Égale plus l'infini. Voilà. Maintenant, on passe à la deuxième limite. Deuxième. Nous avons limite quand x tend vers 2. 2. Racine. De racine. De 1 moins racine. De 2 moins racine. De 3 moins x sur racine. De 2 moins racine. De 5 moins racine de 3 moins x. Voilà. Si on remplace ici, j'aurai 2, ça fait ici 1. 1 moins 2, ça fait. J'aurai ici racine. Quoi? De 1.
Ici, 3 moins 1, ça fait 1. 2 moins 1, ça fait 1. 1 moins 1. Ça fait 0. Ici, j'aurais... ça fait 1. Ça fait 2. 2. 5 moins 1, ça fait 4. Racine de 5, ça fait racine de 4, ça fait 2. 2 moins 2, je résolve. Forme indéterminée. On va voir. Multiplié par... Ici, bon, c'est en sorte de forme de limite. On multiplie par le conjugué. Donc, j'aurais... Regardez. Voilà. Regardez bien. J'ai ici, voilà, je vais vous montrer, voilà, limite, quand c'est envers 2, de racine, j'ai écrit un peu grand pour pouvoir, 1 moins racine, 1 moins 2, moins racine de 3, moins x, racine de 3 moins x, c'est de 3 moins x, voilà, donc, voilà. Voilà A. Voilà B. C'est tout ça, c'est B. Je vais multiplier l'expression. Ça fait ici racine. Racine de 1. De 1. Plus racine de 2. Moins racine de 3 moins x. 3 moins, 3 moins x. 3 moins x. Voilà. 3 moins x. Maintenant. Voilà, voilà A. C'est 1, c'est A. Cette racine, c'est B. Enfin, c'est 1. Enfin, 1 moins b fois plus fois facteur de racine de a plus b. Voilà. Ici, j'aurai 2 moins racine de 5 moins racine de 3 moins x. Voilà. Voilà a b prime. Voilà a prime. Maintenant, je vais multiplier par 2 au lieu de moins ici, ici moins, je fais plus. Ici moins, ici plus. Ici moins, ici plus. Voilà. Voilà. J'aurai ici 5. 5 moins racine de 3 moins x. Racine de 3 moins x. Voilà. 3 moins x. Ici, je dois multiplier. J'ai multiplié le numérateur, je dois multiplier ici. Donc j'aurai 2 plus racine de 5 moins racine de 3 moins x. J'ai multiplié ici, je dois multiplier le numérateur, je multiplie le dénominateur. J'aurai ici 1 plus racine de 2 moins racine de 3 moins x. Voilà. Puisque j'ai multiplié ici l'expression de cette quantité. Voilà le conjugué. Donc je multiplie le numérateur, le dénominateur. Ici, j'ai multiplié par le conjugué de cela. Voilà le numérateur, le dénominateur. Donc, j'aurai égal limite quand x tend vers 2. Quand x tend vers 2, j'aurai ici. A moins B, A au carré moins B au carré. Racine de 1, je vais enlever la racine. Moins 2, moins racine de 3 moins X. Voilà. Voilà A au carré. A au carré moins B au carré. Voilà B, c'est cette quantité. Donc A, multiplié ici par racine de 2 plus racine de 5 moins racine de 3 moins X. Voilà. Ici, je mets la même chose. J'aurai ici... C'est A, c'est B, donc A au carré c'est 4, moins, je vais enlever la racine, facteur de 5, moins racine de 3, moins X. Voilà. Faites le calcul doucement, vous allez voir que c'est multiplié ici par 1, racine de 1, plus racine de 2, moins racine de 3, moins X. Voilà. D'accord? J'aurai ici. Voilà. Donc, j'aurai limite égale limite quand x tend vers 2. Ici, moins 1 moins, ça fait moins 1. Moins 1 plus racine de 3. 3 moins x. Facteur de racine de, de 2. De racine de 2. Racine de 2. Voilà. Racine de 2 plus racine de 5 moins racine de 3 moins racine de 5. Voilà. Dénominateur, j'aurai ici 4. 4 moins 5, ça fait moins 1. Moins 1. Pardon, ici, il y a une racine. Voilà. Racine de moins 1 plus racine de 3 moins x. Facteur de racine de 1 plus 2 plus 2 moins racine de 3 moins x. Voilà. Voilà. Vous voyez bien. Allez doucement. C'est simple. C'est pas... Seulement, il ne faut pas se tromper.
Voilà. Maintenant, je vois très bien que je peux simplifier par cette racine. Donc, j'aurai limite quand x tend vers 2, 2, 2 plus racine de 5 moins racine de 3 moins x, le taux racine sur racine de 1 plus racine 2 moins racine de 3 moins x. Maintenant, je vais remplacer. J'aurai ici 2 plus racine de 5 moins racine de 3 moins 2. Ici, j'aurai 1 plus racine de 2 moins racine de 3 moins 2. 3 moins 2, ça fait 1. 4 moins 1, ça va donner 2. Ça fait racine de 2. 3 moins 1, ça fait 1. 4 moins 1, ça fait 4. Donc, ça veut dire 2 plus 2. Ici, j'aurai 1. 3 moins 2, ça fait 1. 2 moins 1, ça fait 1. 1 plus 1. D'accord? Vous voyez bien? Donc, j'aurai ici 4 racine de 4, ça fait 2. 2 sur racine de 2. C'est-à-dire, je vais multiplier ici par 2 racine de 2 sur 2, ça fait racine de 2. Donc, égale racine de 2. Donc, notre limite, vous voyez bien, ici, 3 moins 1, ça fait 1. Ça fait 1. 5 moins 1, ça fait 4. Ça fait 4. Racine de 4, c'est 2. 2 plus 2, ça fait 4. Donc, ici, genre 3 moins 1, ça fait 2. 2 moins 1, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, j'aurai ici 2, 4, 2 racine de 4 sur racine de 2. C'est-à-dire 2 racines de 2 sur 2. Je simplifie. Je trouve que c'est égal racine de 2. Donc, notre limite, quand x tend vers 2 racine de 1 moins racine de 2 moins racine de 3 moins x sur racine de 2 moins racine de 5 moins racine de 3 moins x, ça fait égal racine de 2. Voilà. Racine de 2. Maintenant, on passe à la troisième limite, dernière. Donc, maintenant, limite, quand x tend vers, maintenant, plus l'infini, racine de x carré, plus 2x, moins x, racine de x carré, 3x carré, plus x, moins 3. Voilà, regardez bien, parce que je remplace ici, je trouve cette quantité sur plus l'infini, ça fait plus l'infini sur moins l'infini, c'est forme indéterminée, donc c'est une forme indéterminée. Donc, ce que je vais faire, regardez bien, donc, je vais multiplier par l'expression, le conjugué de le numérateur, plus l'infini, racine carrée de x carré plus 2x, moins x, facteur de racine carrée, x carré plus 2x, plus x, voilà, je vais mettre le numérateur, dénominateur, 3x carré, plus x, moins 3, le tout racine, multiplié par racine x carré, plus 2x, racine, plus x. Donc j'aurai ici, limite, x tend vers plus l'infini, de ici j'aurai x carré, moins, plus 2x, plus 2x, a moins b facteur de a plus b, c'est a au carré moins b au carré, a au carré moins b, c'est la racine, donc on enlève la racine, moins x au carré, sur racine de 3x carré, plus x, moins 3, facteur de racine de x carré, plus 2x, voilà, donc, on va simplifier par x, ça doit faire disparaître, x on va enlever le x carré. Ceci est égal, limite, quand x tend vers plus l'infini, 2x sur racine de 3x carré, plus x moins 3, voilà, facteur de racine de x carré, plus 2x, plus x. Donc, encore une forme déterminée. L'infini ici, l'infini sur l'infini, une forme déterminée. Donc, ce que je peux faire, je vais factoriser le numérateur par x. Limite quand x tend vers plus l'infini. Voilà. Le numérateur, ça reste 2x. Ici,
je vais faire x carré, facteur de tout, 3 plus 1 sur x, moins 3 sur x carré. Voilà, je factorise par x carré. Ici, je peux encore factoriser, même ici, racine de x carré, facteur de 1 plus 2x, je peux le séparer, je peux le factoriser. De x carré sur x plus x. Plus x. D'accord. Voilà. D'accord. Maintenant, j'aurai ici limite x tend vers plus l'infini. Plus l'infini. Pour faire sortir le x au carré, ça va devenir. Qu'est-ce que je. Il faut méfier que j'ai dit l'autre fois, racine avant, x au carré, racine de x au carré, ça fait valeur absolue de x. Valeur absolue de x, facteur de 3. De 3 plus 1 sur x, plus moins 3 moins x au carré, facteur, ici, facteur de valeur absolue de x, valeur absolue de x, valeur absolue de x, facteur de 1 plus 2 sur x, plus x. 2x, d'accord. Puisque x tend vers l'infini, donc valeur absolue, donc x est positif, je peux enlever la valeur absolue. Donc, limite, puisque x tend vers plus l'infini, si j'aurai 2x, ici x facteur de 3 plus 1 sur x, moins 3 sur x au carré, ici j'aurai x par x, j'ai factorisé, multiplié par x, facteur de racine de 1 plus 2x, 1 plus 2x, 1 plus 2x, plus 1. Voilà. Plus 1, j'ai factorisé par x. Puisque x est positif, valeur absolue de x égale x. Donc, je vais factoriser par x, ça va rester là, plus 1. Donc, j'aurai ici x au carré. Je peux simplifier par un seul x. X au carré multiplié par x, ça fait x au carré. Donc, en simplifiant, ça va devenir plus l'infini de 2 sur x facteur de 3 plus 1 sur x plus moins 3 sur x au carré multiplié par racine de 1 plus 3 sur 2 sur x, 2 sur x plus 1. Voilà. On sait parfaitement que lorsque 1 sur x tend vers 0, 3 sur x au carré tend vers 0. En l'infini. Quelque chose sur l'infini, ça sera dans 0. Et c'est 0. Donc ça va donner ici. Et si j'aurai l'infini, j'aurai ici 2. Si je réponds, c'est pas, je peux expliquer, c'est pas juste cette écriture, plus, c'est comme je dirais, plus l'infini, multiplié ici par 3, ici plus, fois 1, 3 fois 1. Donc, c'est quelque chose sur l'infini, ça donne 0. Donc, ici tend vers 0, celle-là tend vers 0, celle-là tend vers 0, ça donne 1, ça reste 1 plus 1, ça fait 2, ça fait 2. Et ici tend vers 0, ça reste 3, donc racine de 3. Racine de 3 fois 2, multiplié par l'infini, ça fait dans le dénominateur, ça va donner plus l'infini. 2 sur 2 plus l'infini, ça va donner 0. Donc, notre limite, limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus 2x moins x sur racine de 3x au carré. Plus x moins 3, ça donne 0. Donc, c'est ça la solution. Vous voyez bien, ici, seulement, c'est quelque chose sur l'infini, ça donne 0. 0, 0, ça fait donc racine de 3. Ici, racine de 1 plus 1, ça fait 2. Donc, 2 multiplié par racine de 2, racine de 3, multiplié par le plus l'infini, ça donne le dénominateur de plus l'infini. 2 sur plus l'infini, ça donne 0. J'espère que vous avez compris. On va continuer, Charles, avec d'autres exercices. Soyez au rendez-vous. Merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.